C'était une époque différente, un autre ennemi. 60 hommes de plusieurs unités d'élite furent envoyés pour faire face à plus de 500 ennemis. Leur objectif ? Forcer l'ennemi à se retirer d'un hôpital public et protéger tous ses occupants. Pendant 3 jours, ils résistèrent. Mais les forces ennemies étaient bien trop nombreuses. Des 60, il n'en resta que 15. Ils ne tiendraient pas une nuit de plus, et l'ennemi le savait. À la faveur de la nuit, ils évacuèrent l'hôpital, avec un seul homme en tête pour les guider. Les autres regagnèrent le front et prirent position sous les corps de leurs frères tombés au combat. Tandis qu'ils attendaient, le sang des morts coulait sur eux. Le sable se collait à leur peau, formant comme un linceul. C'est comme si ils avaient été bénis. Quand l'ennemi approcha, les 14 survivants surgirent des sables du désert. Ils étaient tels des chasseurs invisibles, si furtifs que leurs ennemis ne pouvaient pas se défendre. Quand les hommes furent à court de munitions, ils utilisèrent leurs lames. Et quand leurs lames furent émoussées, ils utilisèrent leurs mains. Quand le sable et la poussière retombèrent, un seul ennemi avait survécu. On le trouva dans le désert, errant sans but, traumatisé. Il mit en garde les autres contre cette force insaisissable et invincible qu'il ne pouvait qualifier que de surnaturelle. Il les appela Ghost. Et c'est vraiment arrivé? Selon la légende. Mais allez, papa, tu crois pas à ces histoires, si? Ouais, j'y crois. Allez, retournons à la maison. On y va. On bouge. Contrôle Odin, réussite du tir de l'arme orbitale. Bien reçu, spécialiste Mosley. On suit le signal de tir des alarmes. Baker, voilà notre taxi. On y va. Payload, ici Contrôle Odin. Envoyez vos données. Bien reçu, Payload. Ah, j'ai vraiment hâte de rentrer. Ça fait quoi, 3 mois? Hey, Baker, tu me donnes un coup de main pour décharger? Allez! Confirmez l'attaque. Allez, Contrôle Odin. On doit se dépêcher. Derrière, Contrôle Odin. On se fait que l'arrêt. Odin passe en mode de tir. On doit les empêcher de prendre le contrôle de l'Odin. Contrôle Odin, force l'accélération dans le module d'extrême arrière. Oh non, l'Odin a tiré. Ils indiquent de nouvelles cibles au module de tir 2, 3 et 4. Houston, qu'est-ce qu'on fait? Contrôle Odin, on n'a pas le choix. On va détruire la station. Je suis désolé, Mosley. Merci, Houston. Baker, il faut y aller. J'ai senti une secousse. C'est le genre de chose qui fichait une peur bleue à votre mère. Encore une? On va en sortir quelques autres, et puis ça finira par se calmer. Le vent commence à se lever. Papa? On rentre. Faut s'assurer que rien n'a été endommagé. À la maison, les garçons, vite! C'est pas un séisme! De quoi est-ce que tu parles? Rentrez à la maison et restez-y! Je prends le pick-up! Mais papa! Reste de ce vide! Partez, Ricky! À l'intérieur! Mais de quoi parlait papa? C'est quoi l'Odin? Allez!
rejoignent une zone sécurisée. Explosion. La zone de stockage blindée, c'est moi. 2, 1. La visée des modules de tir 3 et 4 de l'Aubin a été interrompue. Et le module de tir 2 poursuit sa séquence. Cible verrouillée. San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington. C'est pas fini, Baker. Allons jusqu'à l'Aubin et détruisons-le. Ok, protection enlevée, Houston. Mets le feu aux conduits de carburant. Spécialiste Mosley, Kira. On a perdu le contact avec l'équipage de contrôle Odin. Je répète, plus de contact avec contrôle Odin. Il faut le trouver! Ça fait des années que la Fédération monte en puissance. Quand les déserts producteurs d'énergie sont partis en fumée, les puissances mondiales qui en dépendaient se sont effondrées. Dans leur chute, la Fédération a pris son essor. La Fédération a uni toute l'Amérique du Sud sous une seule bannière. Elle a tout englouti sur son passage, à mesure qu'elle avançait vers le nord. Après avoir retourné l'Odin contre nous, la Fédération s'est retrouvée aux portes de l'Amérique. Pensait que nous étions faibles et que nous ferions une proie facile. Nous avons lutté avec ardeur et conduit l'ennemi dans une impasse. Et ici, derrière les cratères du No Man's Land, nous livrons
comprend une guerre défensive contre un ennemi à la puissance supérieure. Justine 6, vous êtes là ? Ash ? Logan ? Reçu, on est là. Allez-y. Les renforts sont arrivés. Dallas s'est tombé dans la nuit. Le QG veut un nouveau balayage du mur au plus vite. Oh merde. Des survivants ? Négatif. Je t'ai pas réveillé, désolé. T'avais besoin de dormir. Chut, mon beau. Écoute. Hey, Riley a trouvé quelque chose. Prends ton matos, on y va. Par ici. Couvre-moi. Faut croire que Riley avait faim. Tu dois rien manger ici, mon beau. On va rentrer te trouver de la vraie nourriture. C'est ça, situation. Y'a que des animaux. Tout est ok. Ok. On va au point de ralliement Silver. T'as reçu ? Ouais, on vous rejoint. Retrouvez-nous au mur, on est en train de sortir. Compris. Le voilà. En sale état, on est toujours debout. Hé, hey, sergent, secteur sécurisé ? Presque. Il nous reste à quadriller ce côté du mur. On prend côté gauche, ça devrait aller vite. Rendez-vous à la station-service. À vos ordres. T'as entendu ? Y'a quelqu'un. Attends, Riley. S'il attaque la cible, tire pour tuer. Allez, on va retrouver le vieux. Papa ! J'ai appris pour l'attaque. Vous allez bien ? Toujours. Marchons un peu. Papa, ils exécutaient des civils. Je sais. Leurs unités raflent des vagabonds et des pillards pour trouver un moyen d'entrer dans la ville. C'est comme ça qu'ils ont pris Dallas en une seule nuit. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Papa ? Écoutez, les garçons, vous êtes tout ce qui me reste dans ce monde. Papa, écoute. Mais vous êtes aussi les seuls en qui j'ai confiance. Hé, hey, écoute. Quoi que ce soit, Logan et moi, on est prêts. Vous allez tous les deux dans le No Man's Land. Quoi, vraiment ? On est restés passifs bien trop longtemps. Alors je vous envoie tous les deux derrière le mur. Vous allez rejoindre notre équipe pour rassembler des renseignements sur l'ennemi et après ça vous rappliquer en vitesse. Et où est-ce qu'on va dans le No Man's Land ? Dans un endroit que vous connaissez mieux que personne.
à la maison. On l'appelle le No Man's Land. Des terres dévastées s'étirent de Los Angeles à San Diego, depuis le jour où l'Odin s'est retourné contre nous. Les plages et les spots de surf de mon enfance sont maintenant des terrains minés, à l'abandon. Papa nous a dit que peu de soldats opéraient dans le No Man's Land. C'était trop dangereux, imprévisible. S'il nous a envoyés ici, ça doit être important pour lui. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser que c'est encore un test. Une leçon qu'il veut nous apprendre. C'est allumé. Ok, je crois que c'est bon. Balayage du secteur. Contact. Une patrouille ennemie approche par l'ouest. N'attaque pas. Laisse-les approcher. Prépare-toi. Vas-y. Bute-les ! C'est bon. Trois groupes en 30 km. Ouvre l'œil, il y en a peut-être d'autres. Attends. C'est pas comme dans tes souvenirs, hein. Ça me file le cafard de me retrouver ici. Allez. Regarde où tu poses les pieds. Merde, où ?
cherchait. Capitaine Merrick. Walker, vous avez quelque chose qui m'appartient. On a croisé des fédérés qui ont emmené un type à la base de tir Charlie. Un ami à vous? Ouais, Ajax. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. Vous pouvez rester avec nous, mais vous faites ce que je dis quand je le dis, compris? Bien, chef. Il surgissait de l'ombre et s'éclipsait dans la lumière. Derrière le mur, leur réputation s'est répandue dans le No Man's Land comme un voile de terreur. Une arme bien plus efficace que le plomb ou l'acier. Merrick et Keegan, les deux hommes dont mon père m'avait parlé. Les Ghosts. Et quelqu'un osait s'opposer à eux. Ils étaient en route pour San Diego, en territoire fédéré. Pour trouver Ajax. L'un des leurs, les Ghosts. On ne les avait jamais vus, mais on voulait à tout prix les rejoindre. Bien. Fusil télécommandé activé. Balayez la zone. On doit repérer Ajax. Zoom sur le stade pour avoir une meilleure vue. Là, à 12h. Zoom. Juste là, zoom. C'est lui. C'est notre gars. Il le déplace, il faut y aller. On entre là-dedans, il est renfort. Vous êtes là pour quoi, à ton avis? Convoi en approche. Prends ce lance-grenade. Prends ton temps pour viser. Faut les déclencher pour que ça explose. Ils arrivent. Marque les camions. En plein dedans. Rendez le son, petit. Ils déplacent Ajax, alors on doit agir très vite. On va les attaquer sur le terrain et on continuera de monter. J'approche de la porte. Fais sauter les charges quand t'es prêt. Logan, fais le sauter! Si vous touchez. Vérifie avec le fusil télécommandé. On entre dès que tu tires. À 12h! À 12h! Fuyard à gauche! Rentrez à gauche! Pièce sécurisée! Il est pas ici! Où est-il? Où est-il? Où l'avez-vous emmené? Où est-il? Où est-il? Je sais pas où il est! Ouais, allez, tiens une piste. Allons-y! Non, yo, Riley a retrouvé sa piste. On a trouvé une autre porte. La garde. On attend ton signal. Bref, 5 secondes. Comment
va-t-il? C'est pas joli. Putain de merde! Accroche-toi, Ajax! Accroche-toi! Rock! C'était Rock! Sa cible est... Regardez le mur! Allez! Tiens bon, Ajax! Il est mort. Putain! Merrick, faut que vous voyez ça. Qu'il soit prêt à bouger! Une liste de cibles. Rourke traque les ghosts. Mais qui est ce Rourke? Pas le temps de t'expliquer. Ils arrivent, il faut partir! Keegan, emmène-le! Viens, on s'en va! J'ai déjà vu des soldats enterrer leurs morts. Mais jamais comme ça. Les ghosts ont traité Ajax avec les plus grands égards. À l'opposé de la façon dont il était mort. Si c'est Rourke qui l'avait tué, il avait dû prendre tout son temps. Et maintenant, il continuait de chasser les ghosts. La Fédération nous attaquait de nouveau. On se dirigeait droit vers le chaos. Et notre père se trouvait là, quelque part, au milieu du combat. Il fallait qu'on le retrouve. Hey! On vient de vous sauver la miche! On n'avait pas besoin de vous!
Bien sûr que non! La ferme! Taisez-vous! On doit rentrer, notre père est là-bas! On ne partira pas sans lui! Voilà qui est admirable. Mais votre père n'est plus là-bas. Papa? Bordel, alors t'as toujours été l'un d'eux, t'es... t'es un ghost? Calme, petit! Tu parles à ton commandant. Vous savez pas à quel point c'était dur pour moi. Mais j'ai fait mon choix et je le regrette pas. Vous avez encore beaucoup à apprendre tous les deux. Mais vous avez fait vos preuves. Bienvenue chez les Ghosts. On est prêts. Tu peux compter sur nous. Ça, j'en ai jamais douté. Je suis fier de vous. L'un comme l'autre. Tout ça, c'est bien joli. Mais faut qu'on décide ce qu'on fait pour Rourke. Rourke? C'est le type qui chasse les Ghosts, c'est ça? Ouais. Il est bon. Très bon. Et il sait comment on fonctionne. Et comment c'est possible? C'était l'un des nôtres. Tout ça, c'était il y a 12 ans. Quand l'armée de la Fédération menaçait toute l'Amérique du Sud. Son chef, le général Almagro, avait exigé que tout citoyen né aux États-Unis soit emprisonné ou exécuté. C'était Rourke qui avait convaincu Washington de laisser les Ghosts régler le problème. Les États-Unis ont envoyé une force pour anéantir la Fédération. Rourke dirigeait la trappe d'Almagro. Mais Rourke est devenu obsédé. Il parlait d'Almagro comme si c'était sa proie. Et il était clair qu'il ne reculerait devant rien pour lui mettre la main dessus. Pour nous, Rourke, c'était une légende. Ce mec aurait pu traverser l'enfer sans se faire cramer. Les Ghosts, c'était les meilleurs des meilleurs. Mais si on nous craignait, c'était grâce à Rourke. On est là pour un homme, Almagro. Suivez-moi. Mary, Tadjax, flanc gauche. Elias, tu viens avec moi. Permission de parler librement? Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on ferait mieux de laisser tomber. Je veux dire, ce connard a foutu la ville sous la flotte. Il a dû tuer la moitié de ses gars. Et la moitié des nôtres. On est des Ghosts, Merrick. On termine la mission. Ouais, mais là, c'est différent. Quelque chose à ajouter, sergent? Non, chef. Cet endroit va pas tenir longtemps! Ouvrez l'œil. Je te suis, Elias. On peut les surprendre. Ils nous ont fait. Thank you.
plus que toi et moi, mon frère. Merde, couche-toi! Ça peut toujours servir. Attends. Deux autres devant. Passe dessous, je les contourne. Décision la plus dure de ma vie. Je l'ai lâché. J'ai sauvé la peau des autres. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? On a cherché son corps plusieurs semaines. On a fini par nous rappeler et il a été déclaré mort. Et pourquoi il en veut au Ghost? La Fédération l'a retrouvé en premier. Quoi qu'on lui ait fait, si lui n'a pas résisté, personne ne le peut. Et un Ghost ne s'arrête qu'une fois sa mission accomplie. Alors il faut le trouver avant qu'il nous trouve. Exactement. Il y a un homme à Caracas qui sait où il crèche. Victor Ramos. Il dirige les recherches des fédérés. Peu de gens peuvent se vanter d'être amis avec Rorke. Ramos en fait partie. Pour trouver Rorke, on doit retourner à Caracas, là où tout a commencé. Câble, petit.
contrôle est à cet étage. Muchas jevas buenas por allá. Váyase antes. ¿Quién se va a enterar? ¿Y si nos pillan? No nos pillarán. Confía en mí. Ok, vámonos. Epa, deberíamos preguntarle a Eduardo si va a venir. ¿Estás loco? Está de patrulla ahora mismo. Ah, seguro que se encuentra una forma de librarse de ella. Tú, amigo, no das más que problemas. ¿Qué? Hey, no sé cuándo toca divertirse. Confía en mí. Con ese infierno en marcha. On va aux cordes, on s'accroche. Coupe les lumières. Magnifique. Deux sur le balcon de gauche. Descends et éliminez. En charge. Un, je sens sous toi. Passe-toi au-dessus de lui. On va faire ça discrètement. N'oublie pas, on doit désactiver les ascenseurs pour l'empêcher de filer. J'ai la banque de données dans l'aile ouest. Rendez-vous au croisement pour couper les ascenseurs secondaires. Suis-moi. Rien à droite. Ash, je t'écoute. Ascenseurs principaux coupés, secondaires encore actifs. Ok, on se voit dans 5 minutes. Les fuegos artificiales se ven más arrechos sin luz. Ils sont nombreux. Va falloir les surprendre. Détruis la télé. Pronto. ¿Qué coño está pasando? Descendez. Por allá, por allá. ¡Que manden refuerzos! Il est pas là. Ash. Je le tiens.
Il savait que vous viendriez. Où est Rourke? Où est-il? Je ne sais pas. Personne ne sait. Ace. Tu as 5 secondes pour nous donner la position de Rourke. 4, il n'est pas là. 3. Sa position est là-dedans, dans un fichier crypté. Tiens, tiens, tiens. Voilà des revenants. Rourke. Je savais que vous alliez suivre la piste. T'as tenté de tuer mon père, sale enfoiré. Ash. Les fils d'Elias Walker. Des gamins qui font le boulot d'un homme. Où es-tu, Rourke? Qu'est-ce que ça peut faire? Ce qui compte, c'est que vous m'avez laissé pour mort dans cette ville il y a 10 ans. Et après cette nuit, Elias devra vivre en sachant qu'il a envoyé ses propres fils à la mort. C'est un piège. Foutons le camp! Scarecrow, la mission est compromise! On sent une évacuation aérienne du 52e étage! J'envoie une équipe à votre nouveau point de ralliement. On doit trouver une fenêtre avant que tout le bâtiment s'effondre! Ça fait trop! Accrochez-vous à quelque chose! Attention! C'était bien endommagé, mais le NORAD a fait une découverte. Rourke? Il bouge toutes les 12 heures, mais pour les 12 prochaines, on sait exactement où il sera. Un complexe industriel flottant dans le Golfe, occupé par la Fédération. Ils l'ont appelé Freeport. C'est le NORAD qui a découvert ça. Ils le veulent vivant. On vous a récupéré des appareils pour la chasse. Moi, je coordonnerai les différentes unités depuis un spectre. Ça va être une sacrée chasse. Une grosse proie, mais vous savez quoi faire. Garde 5-0, ici Outlaw 1-1, nous sommes à 2 minutes. Bien su, 1-1. N'oubliez pas, on est là pour récupérer un VIP, alors couvrez l'unité d'infiltration jusqu'à ce qu'on ait déposé nos gars. Confirmé, 5-0, unité laser activée. Capteur 4-0-7-7. Il faut une autorisation pour attaquer. Je vérifie tout de suite. Attendez. 10 secondes. On doit pouvoir tirer sur ces types. Bien, on a l'autorisation d'attaquer. 5-0, vous préférez les canons de 30 ou les missiles? Tout ce que vous avez. Ok. 5-0, canon de 30. Thank you.
y aller. Il est juste derrière ces portes. Baissez-vous, vite. On peut dire que vous savez soigner vos entrées. La ferme. Pirate, ici Ghost 6-3. On tient au star, on se dirige vers le point d'extraction. Scarecrow, ici 6-1. On le tient. Bien su. Outlaw va vous conduire au point de rendez-vous. On doit partir d'ici 30 minutes. Certaines tribus ancestrales, au fin fond de l'Amazonie, ont perfectionné l'art de la torture au fil des siècles. La Fédération s'est inspirée de cet héritage et l'a amélioré grâce à des pratiques plus sophistiquées. Ils ont enfermé Rorke dans un trou pendant des mois. En le nourrissant de nourriture à base de poison de plantes exotiques. Quand son corps a lâché, ils se sont attaqués à son esprit. Une fois brisé, c'est son âme qu'ils ont visée. Ils l'ont reconstruit en le nourrissant de leurs mensonges. Ils l'ont obligé à rejoindre leur cause par des procédés ignobles. Rorke était devenu leur gosse. Une arme parfaite pour nous tuer. Ça suffit! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? La même chose que toi. Ils m'ont libéré. Tu m'as appris il y a longtemps que les ghosts résistent à tout. Alors, je vais te le demander encore une fois. Le monde craque, Elias. Pourquoi tu demandes pas à ton pote Ajax? Oh, dommage qu'il soit plus là. Attrape sa chaise! Attrape sa chaise! Amène ce salaud par ici! Alors ça va finir comme ça, Elias! Tu vas me balancer de cet avion! Maintenant, tu vas tout me dire, sur ce site de fouille à San Diego. Tu vas me laisser tomber, lieutenant! Encore? Réponds, Rorke. Tu crois vraiment pouvoir me briser, Elias? Par ici! Allez! Je suis là! Logan! Amène-le-moi! C'est fini, Rorke! On t'a battu! Vous m'avez pas battu, Elias! Vous m'avez juste rendu la tâche bien plus facile! Sortir, petit! Viens me trouver! Je pourrais toujours te trouver une place! Il y a toujours des patrouilles qui cadrent dans le secteur.
Duncan. Je savais que tu nous trouverais. Bien joué, fils. On le voit. Quand ça commencera à tirer, mets-toi. Logan, vas-y. Vous pouvez y aller. Mako nous retrouve à 2 km de... Merde, c'est quoi ça? En tout cas, on va éviter de faire une cible trop facile. Si on avance vite et sans bruit, on va rentrer en vie. Allons-y! Il y en a d'autres qui reviennent par ici. On peut se cacher derrière cette cascade. Vas-y. Je les vois. Restez tranquille, laissez-les passer. On bouge pas. Allons-y avant qu'ils reviennent par ici. Mouiller. Sautez tous! Le NORAD est tout à fait catégorique. Le missile lancé dans le Yucatan n'a pas touché les États-Unis. Alors quelle était sa cible? C'est justement pour le découvrir que je vous envoie. Le président a autorisé l'opération mécanique précise. Un assaut contre un centre fédéré dans les Andes, ça pourrait nous donner la réponse. Vous allez infiltrer le centre et rassembler autant d'infos que possible sur leur programme de missile. On fait quoi pour ton vieil ami Rourke? Il va pas nous lâcher. On s'occupera de Rourke. Mais pour l'heure, mécanique précise est la priorité. Heure, 22h35. Allez. Kik, on s'est procuré des uniformes ennemis, on avance vers le poste de contrôle. On attaque le poste de contrôle, on attend le retour de la patrouille. Il est mort. 3 sur la tour de commandement à gauche. On va les tuer ensemble. Keegan droite, moi gauche, et Logan celui du milieu. Et de 3. On élimine les autres. Choisissez une cible. Allez. Au boulot. Avançons. Logan, côté gauche, couvre Keegan. Et cache ce corps, je le vois d'ici. La patrouille approche. À nous de jouer. J'espère que notre ruse va marcher. Laissez passer le BTR. Algo qui informa. Logan, occupe-toi du chauffeur. Bien visé. Nettoyage et chargement, prêt dans 30 secondes. Sac. En tête tous, on y va. À l'intérieur, on maintenait les écarts et évitait les tirs après le blackout. Eich, tu pirates le système dès qu'on est au poste de sécurité. Ok. Scarecrow, on est arrivé au club. On a un véhicule et on est prêt à se diriger vers Blackbird. Reçu, leader. Blackbird du calme. Feu vert pour insertion et récupération des données. Bien reçu. On entre dans Blackbird. Sera poco rato.
Saline. Continuez, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, c'est fait. Quand le courant sera rétabli, on aura le son et l'image. Ok, je lance un essai statique. Et confirmez le signal. Okay. Il faut percer le joint hydraulique. Vers ici. Joint hydraulique percé. Explosif amorcé. Allumez la charge. Reculez, reculez! Faites-la sauter! Porte de devant ouverte, arrivez au cœur dans 4 minutes! Attention, sous la volonté! Allons-y! RAF devant. En avant! Je passe au couloir sud. Des ennemis convergent vers votre position. On avance, on prend la passerelle du haut jusqu'au cœur. Je vois peu d'activité sur la route du haut. Personne ne vous a repéré. Surveillez les angles! Vamos fuera, ya! Et qu'on est entré dans le cœur, on prépare le transfert. Laissez tous les sacs sur la plateforme de commandement! Allez, pose ton sac sur cette table! Hey, occupe-toi de cette base informatique. Il faut 2 minutes pour recharger les deux. Il est 23h56. Ok. On repart par où on est arrivé. Armes baissées, maintenez-vous prêts. On disparaît. La jambe, aide-le. Boîte. Ne tirez pas si vous voulez que ça se passe calmement. C'est parti. Non disparaît. Estamos heridos. Tenemos a 6 o 7 acolarados en el laboratorio. Necesitamos más hombres. Queremos. Vamos, a moverse. Sí, señor. Commence à rassembler leurs hommes. C'est ce qu'on voit. Je pense qu'il faudrait vous presser un peu, leader. N'attaquez pas avant mon signal. Merrick, les données qu'on a récupérées, elles contiennent des estimations de pertes. Des estimations? Pour des villes. Dans tous les États-Unis. Toledo, Lexington, Chicago. Kick, on quitte la base à l'instant. Bonne chance. Tenez bon, évacuation dans 2 minutes. Ils arrêtent les véhicules. On s'en tient au plan. Arrêtez-vous, mais soyez prêts. Que pasa ahí? El mando nos asignó al perímetro. No tenemos tiempo para esto. Quítense las máscaras. Quítense las. Logan, tu prends la tourelle. Camion ennemi plus bas sur la droite. Détruis-les. Tire sur la glace! Thank you.
Chef, ils sont à bord. Les données nous ont appris quelque chose? Oui, on pense que le programme de missiles de la Fédération est développé dans un complexe pas loin du port de Rio. Cette côte est gardée par la 3e flotte des Fédérés. C'est pour ça qu'on va au sud. Pour lancer une attaque de diversion sur leur plateforme Atlas, c'est au cœur du passage de Drake. C'est assez loin derrière la ligne. Quel intérêt de la prendre maintenant? Avec le pétrole d'Atlas, les Fédérés pourraient tenir des années. Et je ne vous demande pas de prendre Atlas. Mais de la couler. On est en position. Nous aussi. L'image arrive. La dernière patrouille arrive. Compris. Ils sont tous là. Ok, ils sont au complet. Lance-moi là-haut. Logan, ramène la caméra, on y va. Charge posée, tout le monde est à l'abri. On va se présenter, quand tu veux. Fais-les tomber. Nous avons éloigné la flotte fédérée. Mais l'usine est toujours gardée par un navire.
un destroyer disposant d'armes de pointe. Son armement empêche toute attaque aérienne, mais il est vulnérable à un endroit. 15 mètres sous la ligne de flottaison, près du port d'échappement thermique du navire. Keegan, Logan, je vous charge de cette mission. Dégagez-nous un passage jusqu'à l'usine. Compris. On va envoyer un navire de plus au fond de ce cimetière. On descend. 50 mètres. Lieu du crash à 5 km. T'aventures pas en eau profonde. On n'est pas les seuls chasseurs dans le coin. Merde, ils sont partout. Scarecrow, il y a beaucoup d'activités là-dessous. Ils récupèrent des pièces sur des épaves de navire. Transmet, bon boulot. Feu à volonté. Ils doivent savoir qu'on est là. Zone dégagée. Suis-moi. On dirait qu'il y a une ouverture dans les conteneurs. Vous pouvez passer à la phase 2. Bien reçu, 6-2. Ça fait plaisir de vous entendre. Pareil pour moi. Une ombre noire planait toujours au-dessus de moi. Rorke. On avait détruit une plateforme pétrolière, trompé toute une flotte, coulé un destroyer. Mais je me demandais toujours une chose. Où était Rorke? Ici, devant nous, tapis. Il était très fort, un vrai fantôme. Mais que lui était-il arrivé? Il y avait quelque chose dans cette usine. Quelque chose que la Fédération voulait à tout prix nous cacher. Et nous étions sur le point de le découvrir. Vous avez deux ennemis qui approchent plus bas. Thank you.
ils sont morts. On avance vers l'entrée A. Scarecrow, on voit l'usine. À vous. Compris. Entrez dans la zone noire. Bien reçu, on approche de l'entrée. Keegan, on est à l'entrée A. Reçu, on est prêt à l'entrée B. Compris, on bouge. Regroupement dans 50 mètres. On vous voit, on va au point de rendez-vous. Stop, ennemi. Il est à toi, sous discret. Cible droit devant. Trouvez une cible. Logan, on te suit. Tire-lui dessus. C'est bon. Je suis à droite. De devant. Descendez-les. On peut avancer. Rien en bas. Bien joué. Ennemi tué. Viens à droite. Porte pressurisée. Ça doit être ça. Cake. Ok. Bingo. Merde. On dirait une sorte de satellite. Avec un sacré système d'armement. Scarecrow, on l'a trouvé. On dirait de l'armement spatial. Bien reçu, leader. Établissez un flux pour son identification. Logan, tu transmets le signal. Ash, toi aussi. C'est une arme à projectiles cinétiques. Comme ceux qui ont frappé San Diego. Ouais, mais ceux-là sont plus petits et bien plus nombreux. Basés sur notre modèle, Bolton. On doit découvrir combien ils en ont construit. Beau boulot, les gars, c'est une sacrée découverte. Arclight, déclenchez un bombardement avec toutes les escadres. Il faut faire du dégât, larguez tout ce que vous avez. On y va. Bien reçu, Scarecrow. Jeunesse confirmée, on est à 80 km, 6 minutes, en route pour bombardement total. On y est. Trouvez vite les données, faut pas rester là. On dirait des données de fabrication. Ce satellite est l'unité 24. Il y en a combien? Il y a des données cryptées ici. Apparemment des infos de lancement, des dates, des prévisions. Je comprends pas. Ils les ont lancées? Il y a du mouvement ici. Ils sont nombreux. Prenez les données et sortez de là, vite! Shock va nous indiquer quoi faire. Il est temps de rentrer, les gars.
pires craintes se confirment. La Fédération est parvenue à reproduire un système d'armement spatial à partir de l'épave de l'Oka. Il sera opérationnel dans combien de temps? Je l'ignore. On a transmis les données récupérées au NORAD. Le secrétaire à la Défense exige un débrief. Keegan, je t'envoie à Colorado Springs. À vos ordres. On se donne rendez-vous à l'entrepôt de Las Vegas demain, à midi pile. Le JSOC voudra agir vite sur ce coup, alors c'est pas le moment de dormir. On a 6 heures jusqu'au retour de Keegan. Attends. Rien te semble suspect. La sécurité fonctionne. Sortez ! Allez ! Cachez ! Ah, t'es réveillé. Bien. Sympa de voir toute la petite famille enfin réunie. Manque plus que celui qui fait son timide. Où est Keegan? Tu sais bien que je te dirai jamais rien. Vraiment? Attends, peut-être que je peux te convaincre. On se calme, Junior. On attend sagement son tour. Logan, regarde-moi! Regarde-moi, fils! Et ça, regarde-le. Voilà. Montre-lui à quel point il te fait souffrir. Il y a un truc marrant avec votre paternel. Il laisse crever ses hommes pour sauver sa peau. Putain, Rourke! Ça se passe entre toi et moi! T'en prends pas à mes gamins! Tu t'adresses à un supérieur, lieutenant. Un peu de discipline. T'as jamais fait partie des nôtres! T'es pas un ghost! Ouais, parce que je suis meilleur que toi. J'ai toujours été meilleur que vous! Mais toi, tu te prends pour un ghost! Mais c'est qu'il a encore du jus! On t'a jamais dit qu'il faut pas pointer une arme sur les gens! C'est très dangereux! C'est ça! Vise un peu plus par là! Allez! Pointe-le sur... Logan! Logan! Ouh! Tu pètes le feu, gamin! J'aime ça! Risquer sa vie pour sauver son capitaine! Tu devrais en prendre de la graine, Elias! C'est mon fils! Bien. Là, il va devoir te regarder mourir. Je t'aurai, tu m'entends? Je t'aurai, sale fils de pute! Je vais te tuer! Enfoiré! Je suis fier de toi, Logan. Je sais que tu t'en sortiras. Très bien. Non, oh, tu as raison, Elias. Je ne suis pas un ghost. Je suis celui qui les traque et qui les renvoie de l'autre côté. Le chef veut le plus jeune vivant. Tout va bien, mon gars.
marcher. Il faut y aller. Keegan, on est en train d'avancer. Venez dès que vous pouvez. Compris. Rendez-vous dans la cuisine. On doit atteindre le côté ouest du bâtiment. C'est notre meilleure chance de sortir d'ici. Allez, on règle ça. C'est bon. Ah, bon sang. Putain de... Allez. Ah, merde. Keegan, on doit se cacher, vite. Merde, relevez-le. Là-dedans, cachez-vous. Logan, là-dedans. À terre, à terre. Baissez la radio. Chut. Hey, el ruido venía de ahí. Revisen las esquinas, no dejen nada a la suerte. Rodrigo, mira ahí. Ahora mismo. Un bruit. Il va y en avoir d'autres. Attendez, où est Riley? La situation est devenue chaotique. Je l'ai pas vu depuis notre réveil. Reculez, reculez! Et merde! À gauche, à gauche! Par ici! Allez, allez! Allez à la fenêtre! Logan! Logan! Ça va? Et vous, Merrick? Je vais bien. Mais on doit bouger, avant que ces hélicos découvrent où on est. Si on peut atteindre la piste, je te trouverai un moyen de sortir de là. Doucement. Ils seront plus nombreux que nous. Go, go! La balle est ressortie. Logan, tu peux le porter? 14-1, je suis en route. 14-1, force 3. 14-2, force 3. 1-6, on peut vous ramener à la maison si vous voulez. Ça ouais. Allez Logan, on se tire. UG ici, Prince 2-0, c'est bon, on retourne à la base. Je vous reçois. Bien joué, 2-0. Si jamais un Ghost se fait tuer, on retourne sa dépouille face contre terre. Et on oriente sa tête vers son pays. Son arme est placée à côté de lui. Si on fait comme ça, c'est pour qu'une fois de l'autre côté, nos chers disparus puissent veiller sur nous et garder un œil sur l'ennemi. Mon père était mort. On pouvait rien y faire. Mais Logan et moi, nous étions toujours là. La Fédération était toujours là. Rourke était toujours là. Cette guerre n'en était qu'à son début. Adieu, papa. Je ne prendrai jamais ta place. Mais je mourrai en essayant. USS Liberator, ici Phantom 2-2, en approche finale. Bien reçu, Phantom 2-2. Autorisation d'atterrir, le pont est prêt. Merrick, il faut qu'on le poursuive. Il me faut Rourke. Négatif, Ash. Les satellites de la Fédération se mettent en position. S'ils les activent, les fédérés pourront frapper n'importe où dans le monde. C'est quoi le plan? On prend le risque de perdre tout ce qui nous reste, y compris notre dernier porte-avions. Et on attaque la Fédération sur son territoire, au sol et dans les airs. C'est tout ou rien. Lieutenant Mac, présentez-vous sur le pont d'envol. Pour l'assaut, il faudra une équipe Ghost au sol. On sera prêt. Et c'est toi qui commanderas, Ash. Vous venez pas? Je serai en soutien. Je coordonnerai vos ressources. Ton père était un grand homme. Un grand chef. Et il a vu le même potentiel en vous deux. Tiens, Logan. Ça lui appartenait. Désolé, t'as fait ton travail. Tu pars avec Merrick. Ça va aller.
à toutes les unités, forces fédérées dans notre espace aérien. Présentez-vous à votre poste pour interception. Niveau d'alerte 5. On les aide à nettoyer le pont, et on trouve un moyen d'atteindre la base satellite. Préparez-vous à l'attaque. Nous sommes abordés à toutes les unités, je répète, nous sommes abordés. Avec des satellites opérationnels, ils peuvent nous frapper où et quand ils le veulent, et nous pulvériser. On doit les contenir et envoyer les forces d'invasion. Les Hornets ont décollé, je répète, les Hornets ont décollé. Et on détruit la base satellite, sinon cette guerre est finie. On va attaquer deux cibles en simultané. On a une équipe d'assaut qui est déjà en route pour la station spatiale de la Fédération. Son objectif, entrer dans la station et prendre le contrôle du système d'armement orbital. Pour leur permettre d'approcher, il faut qu'on détruise le dispositif d'alerte de la station qui est situé au sol. Esh, toi et ton équipe, vous vous emparez de leur centre de commandement. Et vous lancez un missile sur la base satellite. Rorke risque d'être dans le secteur, mais ce n'est pas votre priorité. Un bataillon blindé va percer les défenses des fédérés. Attendez-vous à rencontrer une résistance farouche. Si vous réussissez, nos forces dans l'espace auront une chance. Parachute prêt! Blindé prêt! Dégagez la zone pour le largage! Équipage de blindé, deux minutes avant largage. Préparez-vous. QG, on entre dans une zone bien défendue par la DCA. On est à moins d'un kilomètre de la ZL. Gardez votre cap, il nous faut ces blindés à la position indiquée. Terminé. On a le feu vert, préparez tous les systèmes. Bien reçu, Major 2 est prêt. Système d'armement activé. GPS en état de marche. Blindé paré au combat. Bordel! Transcoté! Prêt! Soulève! Attention, plusieurs cibles en approche. Ma jambe! Un blessé! Bravo est coincé devant vous.
Bien reçu, Badger 1-1. Rejoignez le 4e bataillon et foncez vers Echo 3-2. Capture de cible prioritaire en cours à Foxtrot 9. Équipe Ghost active, je répète, les Ghosts sont en route. Cible de lancement, droitement. On sécurise la salle de contrôle et on lance le missile de la Fédération sur la cible. Dégager le passage. Terminé. On lance ce truc. Mission est finie, pas la nôtre. Je pense être enfoiré. Équipe de tir bloquée au secteur 3-1, on avance vers la zone de chargement. Bien reçu. Le missile arrive. Envoyez toutes nos forces vers l'objectif principal. Les unités de la compagnie B recevront un appui aérien près des installations. Les canons de DCA vont tout détruire dans le ciel, y compris notre missile. Nos blindés vont devoir détruire ces tourelles. Évacuez la zone. Le missile approche de votre position. Je répète, le missile approche. Mène-toi, soldat! Tentez de tourner, survivant! On va le chercher! Attention!
la phase 2. Je répète, feu vert pour la phase 2. Icarus Leader, la mission au sol a réussi. Il ne voit plus rien. Lancez l'attaque. Bien reçu. Deuxième étage, séparé. Guidage vers la cible. Icarus Leader, ici le commandant. Vous devriez avoir la station spatiale habituelle. Elle est énorme. Commandant, tout un groupe de satellites fédérés se prépare à l'attaque. Leader, ici Merrick. On ne tiendra pas très longtemps ici. Alors allez-y et faites ce qu'il faut. Compris. On y va. D'importants renforts fédérés poursuivent les troupes au sol. Rapport. Merrick, attention, nous avons atteint la station. Perdez pas de temps, leader. On essuie des tirs d'armes lourdes ici. Ici, Carus, on approche. Infiltration difficile. On prend le contrôle de la station. Ensuite, on leur en fera baver, nous aussi. Début de la sortie. Contact, tous à couvert. Ok, 3, 2, 1...
gagnera pas, Rourke. C'est terminé. Échec et mat. Échec et mat confirmé. C'était quoi ça? Qu'est-ce que t'as fait? Harris Leader, vous voyez toujours le train en direction du sud-sud-ouest? Affirmatif. Oubliez l'ordre précédent. Vous visez le train et vous tirez dessus. Mais chef, il y a des ghosts dans ce train. L'ordre vient des ghosts, je le confirme. Ordre confirmé. Tirez sur ce train. Thompson, tu peux tirer. Papa nous a tant appris. Mais sa leçon la plus importante était... qu'un homme se définit par ses choix. Logan et moi avons fait un choix, une promesse. Au Ghost mort avant nous, à papa, nous combattons Rourke et nous l'arrêterons. Quoi qu'il en coûte. T'as perdu, Rourke. C'est fini. Oh, merde. Tu l'as eu, Logan. Tu l'as fait. Merrick, répondez. Merrick, vous me recevez? Ash! Ash, c'est toi! Ouais, je suis avec Logan. On va bien. Et Rourke? Mort. Il est mort. Bien reçu. Des forces fédérées sur Plé. On poursuit le bombardement pour finir le boulot. Tenez bon. On vient vous chercher. Je suis fier de toi, Logan. Thank you.
way. Tu aurais fait un sacré ghost. Mais ça n'arrivera jamais. Il ne restera plus aucun ghost. Nous allons les détruire ensemble.